Bonjour à tous et à toutes, ici Xavius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. S'il y a bien quelque chose qui occupe les joueurs depuis toujours, c'est bien la collection de nouvelles montures. Certaines sont très communes et d'autres très très rares, et dans cet épisode, nous verrons ensemble le top 5 des dragons les plus faciles à obtenir dans World of Warcraft. Sans plus attendre, commençons avec le numéro 1, le Drake de Bronze. Bien qu'il était plus compliqué à obtenir autrefois, de nos jours le Drake de Bronze fait partie des montures les plus rapidement et facilement accessibles, suite aux nombreuses extensions. En effet, la prémisse pour cette monture est relativement très simple. Il vous suffira de compléter le donjon de l'épuration de Stratholme en mode héroïque et tuer le boss final bonus après Mal'Ganis. Vous disposerez cependant d'une minuterie de 25 minutes pour l'accomplir, sinon vous pourrez vous réessayer le lendemain ou sur un autre personnage. Bien entendu, c'est pratiquement impossible à manquer car ce donjon est de niveau 80 et peut facilement être fait seul au niveau 85 sans aucun problème. De plus, le Drake de Bronze est garanti avec un drop de 100% et vous pourrez l'ajouter à votre collection. En numéro 2 et numéro 3, nous avons le Drake Noir et le Drake du Crépuscule. J'ai décidé de mettre celles-ci ensemble car les deux montures sont obtenues de la même façon à un détail près. Les deux drakes ont donc, tout comme le drake de bronze, une chance de drop de 100% sur le boss Sartarion dans le raid de Sanctum Obsidien. Tout comme l'épuration de Stratum, ce raid est de niveau 80 et peut facilement être fait au niveau 90 en solo. Toutefois, il sera bien important de ne pas tuer les trois drakes autour de lui, sinon la monture ne dropera pas. Pour obtenir le drake du crépuscule, vous devrez alors vous mettre en difficulté 25 joueurs et pour le drake noir en difficulté 10 joueurs. Si vous disposez d'un seul personnage, ça vous prendra par contre une semaine pour obtenir les deux, mais si vous avez deux personnages ou plus, vous pourrez facilement obtenir les deux en moins d'une heure. En quatrième position, nous avons le Drake Albinos, qui est probablement le plus simple à obtenir sur cette liste. En fait, le Drake Albinos vous est simplement donné lorsque vous atteignez un total de 50 montures. Il sera donc ajouté à vos montures dès que vous obtiendrez le haut fait. C'est tout? Eh oui! Pour terminer ce top 5, nous avons le Drake Rouge. Tout comme les autres drakes de cette liste, le drake rouge fut ajouté lors de Wrath of the Lich King et est très simple à obtenir. Cependant, contrairement aux autres montures de cette liste, celle-ci requiert de l'argent, 2000 PO plus exactement. Cette monture est accessible à l'achat quand vous aurez atteint la réputation exaltée avec l'accord du repos du ver dans la désolation des dragons en Orphandre. Une fois ce cap atteint, il peut être acheté auprès de Cielstraza au sommet de la tour. Toutefois, cette réputation peut facilement être obtenue grâce au tabard équipé en donjon. Vous obtiendrez donc le drake rouge très rapidement de cette façon. Et voilà donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, j'en ferai certainement d'autres pour d'autres types de montures, ainsi que d'autres envers des montures rares. Bref, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager les vidéos et abonnez-vous pour plus de tutoriels et de contenus sur World of Warcraft. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!